Hello, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Moi, c'est Prisca. Je suis une maman de deux enfants. Je vis à Douala. Mon dernier vlog s'est bizarrement coupé. Ma batterie m'avait lâché en pleine clôturation du vlog. Du coup, je n'avais pas fini de parler avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler durant ce vlog-ci. Des nouvelles habitudes que je suis en train d'adopter pour avoir une petite discipline et pour adopter des routines, en fait, pour avoir des routines claires et nettes dans mon quotidien. Donc, parce que j'étais déjà un peu éparpillée. Et tout ça a été déclenché par le fait que j'avais déjà trop d'insomnie. Du coup, ça commençait déjà à peser pour moi au boulot et tout. Donc, faut vraiment que je sois disciplinée et ce n'est pas évident pour moi pour le moment. Mais je commence quand même à avoir des résultats. Du coup, cette vidéo commence un mercredi parce que lundi, j'avais la flemme de filmer et en plus j'avais rien d'intéressant à vous montrer. On va d'abord mettre pause sur la vidéo. Ce que vous allez faire si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Donc, si tu as déjà fait ça, on peut continuer. En fait, hier, j'étais à la pharmacie. Pourquoi? Parce que je suis allée acheter les remèdes des verres pour nous trois. Pour Enzo, pour Ange et pour moi. Et à plus de cela, Enzo, je lui ai acheté un remède contre les levures à titre préventif. Parce que j'ai constaté que depuis que je le fais, Enzo est de moins en moins malade. Ce qui m'a même encore boosté à le faire cette semaine. Parce que la semaine dernière, en fait, ma soeur... ma nièce était très malade et je pense que c'est dû à ça, vu le fait que ma soeur n'avait pas refait ce traitement depuis un bon bout, vous voyez un peu. Donc du coup, ça a directement affecté l'enfant. Il ne sait pas encore faire la différence entre ce qui est propre et ce qui est sale, en fait. Et du coup, je sais que ce sont des trucs qui rendent malade et je ne veux pas prendre le risque. Donc tous les trois mois, je fais ça. J'achète les remèdes contre les levures, j'achète les remèdes de verre, j'achète les flagyles. J'ai d'abord commencé avec les remèdes des verres et ceux des levures. Ensuite, je vais prendre flagyle et fer. Et après les fers, je prendrai des vitamines. Donc, franchement, moi, ça me rassure. La seule chose que je n'ai pas trouvé efficace jusqu'à présent, ce sont les sirops contre la toux. En fait, j'ai remarqué que ça n'agit pas du tout. Ça n'agit pas. Je préfère faire ma composition spéciale. Ma composition spéciale, c'est juste de l'ail, du miel et du citron. Quand je remarque que Enzo respire bizarrement, là, comme là, maintenant, il respire bizarrement. Quand il commence à respirer bizarrement, là, et qu'il tousse déjà, peut-être en 30 minutes, je vois qu'il a toussé peut-être 4 ou 5 fois. Je fais à ma composition et je lui donne. Pourquoi? Parce que je sais que l'ail, c'est un antibiotique naturel super puissant. Super puissant. Moi-même, j'en consomme comme ça pour rien. Je m'en fous de l'odeur, mais je sais que c'est super puissant. Et ça marche toujours pour Enzo. Dès que je lui donne ça, ça s'arrête du coup, du coup. Donc, je vous encourage. Ça, c'est un truc qui marche. Si l'enfant a déjà plus d'un an, parce que je sais que ce n'est pas conseillé de donner du miel à l'enfant à moins d'un an, fais le truc là. Ail, miel et citron. Ça marche du feu. Si l'enfant peut supporter, tu ajoutes le ginger. Mais Enzo, lui, ne supporte pas le ginger. C'est pour ça que je n'en mets pas. Donc, ce soir, il fallait que je vlog. Il fallait bien que je commence ce vlog. Je vais déjà d'abord donner à Enzo ses médicaments. Et ensuite, je vais préparer la sauce combo parce que j'en ai très envie. Et voilà. Je vais préparer la sauce combo. On va manger. Et si je ne vous parle plus ce soir, eh bien, on va se parler demain. Regardez-moi le gombo de 300. C'est petit. Le gombo en ce moment est trop cher. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Moi qui adore la sauce gombo, franchement,
Regardez-moi le combo de 300. Genre, on te met 4 à 100. Ah. Bon, j'ai fait la recette de ma collègue parce qu'il faut savoir qu'avant, moi, je ne savais pas faire préparer la sauce combo. Donc là, j'ai mélangé une tomate, le quart d'un oignon. J'ai mis un peu de poisson fumé. Pour la morue de 500, on m'a donné 2 morues. 2 morues à 500, c'est grave. C'est grave. Avec le reste de viande que j'avais, j'ai mélangé avec des écrevisses. J'ai mis le sel. J'ai mis le cube et là je vais ajouter un peu d'eau. Voilà, j'ajoute directement. Je vais ajouter un peu d'eau. Je vais laisser bouillir. Pendant que ça bout, je découpe mon combo et après je vais écraser le combo avec le kanwan et mélanger à la fin. Et là, il y a le poivre. Donc voilà, je me dépêche. Bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes jeudi et je viens de rentrer du boulot très fatiguée. J'ai marché aujourd'hui, ce matin en allant au boulot, mais c'était juste 10 minutes de marche. Du coup, je voulais me rattraper en soirée et j'ai marché donc dans la soirée au moins pendant 20 minutes, mais pas jusqu'à la maison parce qu'à un certain niveau, j'étais fatiguée et j'ai pris la moto. Donc là, je viens d'arriver. Bon, quand je dis que je viens d'arriver, ça fait environ 15 à 20 minutes que je suis arrivée. Et je voulais vous montrer ma petite composition dont je vous ai parlé hier. Parce que, comme j'ai remarqué que Enzo respire bizarrement, là, ça, ce sont les symptômes du rhume, de la toux, je ne sais pas trop quoi. Et moi, je ne veux pas du tout ça. Donc ça, c'est ma petite composition. J'ai mis à l'intérieur 4 gousses d'ail. J'ai mis un gros citron et 2 cuillères à soupe de miel. Et j'ai mis un peu de jus de ginger parce que Enzo, il ne supporte pas trop tout ce qui pique. Mais je voulais quand même cette fois-ci mettre un peu de ginger parce que je sais que le ginger aussi, c'est bon pour le rhume et la toux. Mais même si je ne mets pas le ginger, moi ça m'aide toujours. Donc je vais commencer, je vais donner ça à Enzo tout à l'heure. Et... je vais déjà d'abord me changer. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui donner les médicaments. Je vais lui donner les médicaments de la toux là. Et ensuite, je vais continuer le traitement. Ah, je donne un peu les mesurettes des trucs. Si ça doit être là-bas, la cuisine. Dépêche-toi. Merci, bébé. Oui. Merci. Ah, oui. Merci. Donne-moi encore. Viens encore me donner. Je vais manger tout ça. Viens encore me donner. Tu ne me donnes plus. Viens donner à maman. Viens donner à maman. Ah. Merci. Viens encore donner à maman. Viens donner à maman. Viens donner. Viens donner à maman. Ah, je ne veux pas. Viens me donner. Nous, généralement ici quand on est enrhumé, quand on ressent le palud,
le premier réflexe, c'est de boire de l'eau chaude. Hello, nous sommes vendredi et comme vous voyez, Enzo est bien enrhumé alors aujourd'hui. Enzo est bien enrhumé. Il n'arrive même pas à bien respirer. Donc j'ai mis le menthol au niveau de sa poitrine. Je lui ai donné la potion dont je vous ai parlé. Et je continue son traitement de verre et levure. Et le pauvre, oh, il me fait de la peine. Regardez comment il est. Oui, il est là, il a sommeil. Mais il ne veut pas dormir. Il veut seulement aller se coucher avec moi. Et moi, je n'ai pas envie de dormir maintenant. J'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer au Ludo avec Ange et juste regarder la télé, quoi. Je n'ai pas encore sommeil. Et j'ai aussi le montage de la vidéo de dimanche, que je vais vous sortir dimanche, à terminer. Donc voilà, c'est ça notre vendredi soir, avec Enzo qui est malade. Ange et moi, ça va beaucoup mieux. Hein. Donc, dès qu'on a bu notre eau chaude là, ça allait. Donc voilà, elle va mieux, moi je vais mieux. Il n'y a que Enzo qui est... Oh, il me fait de la peine. Assez. Mais il n'a pas de température élevée, hein. C'est juste les narines qui sont bouchées. Sinon, il ne chauffe pas, rien, à part les narines là. Donc, ce que je fais, c'est que quand la morve coule, je tire ça comme ça, avec la bouche. Je tire ça avec la bouche, comme la grand-mère faisait là à l'époque là, non. Quand je fais ça devant ma mère même. Devant mes soeurs, mes tantes, elles sont dépassées. Elles sont dépassées. Mais gars, je ne peux pas voir les narines de Enzo bouchées comme ça là. Je le laisse. Dès que je ressens comment la mort est déjà en train de couler là, je tisse ça avec la bouche. Ange est dépassée. Hello! Aujourd'hui, nous sommes samedi. Enzo et moi, nous sommes invités. J'ai une amie là. Elle nous a invités à l'hôtel La Falaise Bonanjo, parce qu'elle y sera avec son fils et ils seront à la piscine, quoi. Donc on va les rejoindre parce que bon, son programme est chargé. Et comme c'est une amie que je n'ai pas vue depuis des années, on a fait les cours du soir ensemble au collège Saint-Michel. Donc ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle est partie, on n'avait même pas eu le temps de se dire au revoir. Et bon, comme elle est là au pays, elle a été occupée, son fils a été malade. Donc, on va essayer de se rattraper aujourd'hui pour discuter, quoi. Parce qu'elle va partir demain ou lundi. Bref, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est demain qu'elle va partir. Et si on ne se voit pas aujourd'hui, on ne pourra plus se voir encore que... Je ne sais pas, on ne sait pas. Non, il faut absolument qu'on se voit aujourd'hui. Si on ne peut pas se voir aujourd'hui, ça sera plus possible qu'on se voit et ça sera dommage. Viens faire coucou à la caméra. Faites coucou. Coucou les gens. Fais alors coucou. Coucou les gens. Donc là, je vais amener Enzo se coiffer parce qu'il a déjà les cheveux là. Et ses cheveux s'enroulent. Ses cheveux sont têtus comme les miens ici. Ses cheveux sont trop têtus et j'aime pas ça. Je préfère que ça soit coupé court. Bien à ras, là, presque congolibon. Je le trouve plus mignon comme ça. Et dès qu'il sort du salon de coiffure, je reviens faire la cuisine. Et après, on va partir, quoi. J'espère que je pourrai vous amener avec moi. Et voilà. Enzo et moi, je vais vous montrer mon petit look là vite fait. Et là Enzo est encore endormi, mais je vais le réveiller parce qu'il dort depuis longtemps. Je vais rapidement faire son petit sac
Chaque fois que je sors avec Enzo, je fais toujours un sac parce qu'on ne sait jamais. Je sors toujours avec des trucs. Donc là, je vais prendre ces lingettes comme ça. Bon, ça, c'est parce que j'ai plus de lingettes jetables. C'est fini. Je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui, et on ne vend pas ça dans les boutiques au quartier. Donc, je lui ai pris les lingettes et deux couches, l'huile d'olive. J'ai pris un petit goûter. Je crois que c'est deux cookies que Ange lui a mis. C'est ça, non? Deux cookies. Et je lui prends aussi pain caprice. Il faut mettre ça dans le plastique, Ange. Sinon, ça va mouiller les trucs ici dedans. Donc, c'est tout ce que j'ai pris. Parce que je sais que ma maman m'a appris que quand tu sors avec un enfant, il ne faut jamais sortir les mains vides. Il faut toujours avoir tout ton petit nécessaire au cas où quelque chose arrive. Donc, c'est un peu ça. Je suis prête et je vais le porter. Il va seulement se réveiller au fur et à mesure qu'on va marcher. Donc, à tout à l'heure. Bonsoir les amis, on se retrouve lundi parce que hier dimanche j'ai pas vlogué, j'étais trop fatiguée, même à la maison ici c'est Ange qui a fait le ménage et la cuisine, donc j'étais trop épuisée. En fait c'était le jour où j'ai publié ma vidéo, du coup j'ai passé toute la journée à répondre à vos commentaires, on a beaucoup discuté sur Instagram et j'ai passé la journée à... J'avais la flemme toute la journée de dimanche. Hier, j'ai vraiment voulu rien faire. Bon, aujourd'hui, je suis en forme. Je ne vous avais même pas dit samedi. Je ne vous ai pas dit. Mais par rapport au rhume de Enzo, là, vous avez vu comment ses narines étaient bouchées vendredi soir. La nuit de vendredi à samedi, on s'est couché. Et c'était pas possible pour lui de respirer. Il n'arrivait pas à dormir. C'était du genre, il se couche pendant 30 minutes. Il s'endort 30 minutes et après il se réveille tellement les narines étaient bouchées. Et ensuite, je me suis rappelée de l'astuce de l'oignon. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une astuce super efficace. Du moins, moi, ça m'aide toujours. Donc, c'est quoi? Si tu ne connais pas, tu prends un oignon, tu coupes en deux. Tu mets à côté de ton enfant. Bon, on conseille de mettre en dessous du lit. Ou un peu éloigné, mais moi je mets à côté parce que je veux que ça soit rapide. Moi je suis pas patiente. Du coup, moi j'ai coupé l'oignon en deux, j'ai mis à côté de sa tête, quoi. Bon, quand même à quelques centimètres de sa tête, quoi. Et 30 minutes après, il s'est endormi jusqu'au matin. Jusqu'au matin, je n'ai pas eu de température la nuit de vendredi à samedi et les narines se sont débouchées jusqu'à présent. J'ai refait le même processus la nuit de samedi à dimanche et maintenant Enzo il respire normalement, hein. Il ne respire plus seulement par la bouche. Donc il m'a quand même fait la température, il a eu une température élevée hier dans la nuit de dimanche et il a renvoyé tout ce qu'il a mangé. Du coup, c'est pas bon. C'est pas bon. Et en tant que maman africaine, je dois réagir. Je ne suis pas une experte en plantes naturelles africaines. Mais ce que je sais, c'est que la purge, ça fonctionne aussi. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que nous tous, on va se purger. Aujourd'hui, ici à la maison, que ce soit Ange, Enzo et moi, nous tous, on va se purger. Déjà, une petite parenthèse. Je sais que les petits garçons, on ne les purge pas trop. La purge n'est pas très conseillée pour les petits garçons. C'est conseillé pour les femmes, les petites filles et les femmes, mais pour les garçons et les hommes, c'est pas trop trop conseillé parce que on dit que après, je vais vous écrire ça là quelque part, ou bien je vais vous écrire ça là quelque part, mais je pense que les mamans qui ont les petits garçons savent, comprennent ce que je veux dire. Donc là, je vais vous dire comment je vais procéder. Pour moi, je ne connais pas d'autre herbe à part le ndolé. Le ndolé, pour moi, c'est la meilleure plante. Pour les meilleures feuilles, en fait, feuilles ou plantes. Bref, le ndolé, vous connaissez. Pour moi, c'est la meilleure chose pour la purge. Donc,
La nounou de Enzo m'a ramené les feuilles de ndolé fraîches, naturelles. Je vais vous montrer comment je vais faire avec un peu d'eau tiède. Je sais que c'est bien pour nettoyer le ventre des enfants et même des adultes de se purger. Donc, voilà la purge que je vais utiliser pour Enzo. Enzo a une purge différente des nôtres. Parce que ici, normalement, chacun a sa purge. Mais Enzo a une purge différente des nôtres. Elle est très petite. Parce que comme il est encore tout petit, attendez, je vous montre. Voilà. C'est ma petite soeur qui avait offert ça à Enzo quand il est né. Et je peux vous dire que j'ai déjà utilisé ça peut-être 2 ou 3 fois depuis que Enzo est né. J'ai un peu peur de vous savez quoi. J'ai un peu peur de vous savez quoi. Donc, je ne veux pas trop abuser des purges chez Enzo. Mais Ange, c'était le contraire. Quand elle était petite, je la purgeais. Je la purgeais beaucoup parce qu'elle était déjà avant trop constipée. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Et voilà. Donc, voilà mes feuilles de ndolé. Je vais frictionner ça comme ça. Il faut que l'eau soit bien verte. Je vais frictionner ça comme ça. Non, et après, je vais tamiser. Je vais tamiser le truc là. Et il va juste rester l'eau verte là. Donc, je vais bien tamiser. Et maintenant, avant de purger, je vais... avant de purger les enfants, Enzo, avant de purger Enzo ou de nous purger, on va chauffer un peu. Bon, moi, je vais chauffer au micro-ondes, mais si vous n'avez pas le micro-ondes, vous chauffez directement à la casserole. Il y a d'autres qui se purgent comme ça, froid, hein? Mais moi, je préfère quand c'est tiède. Donc, c'est un peu ça. Hello, je vous reprends une semaine et demie après. Je sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, mais j'ai une flemme totale, une baisse d'énergie totale. J'ai même pas envie de réfléchir. J'avais même pas envie de réfléchir sur quel plan faire, quel contenu vous offrir. J'avais pas envie de faire quoi que ce soit. Donc, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas si c'est dû à la reprise du sport ou si c'est dû au fait que j'étais pendant ma période de règles. Parce que la semaine avant mes règles et pendant mes règles, je suis souvent super fatiguée. Mais ça ne m'empêche pas souvent de prendre la caméra, de discuter avec vous sur Instagram ou même de faire quelques plans sur YouTube, même de filmer des vidéos entières sur YouTube. Mais juste que j'allais pas bien, je sais pas, j'ai eu une baisse d'énergie totale, complètement, et puis ça me rendait pas productive. Du coup, je voulais pas me forcer et voilà, je reprends ma caméra une semaine après. Et je suis sûre que même sur Instagram, vous avez dû remarquer mon absence. Je sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je suis contente. Je suis trop contente aujourd'hui de vous parler, d'avoir pu avoir encore le courage de reprendre ma caméra pour pouvoir terminer ce vlog. Mais comme vous l'avez vu durant le vlog, tout n'a pas été rose pour moi ou pour les enfants ces 2 dernières semaines. Donc, je vous ai promis que je devais parler avec vous des nouvelles habitudes que je suis en train de mettre en place. Mais je pense que ça sera mieux pour moi de pouvoir vraiment m'entraîner, de faire à ce que ces habitudes soient vraiment ancrées dans mon quotidien. Et peut-être d'ici peu, je ferai une morning routine ou des night routines pour vous montrer un peu comment je m'organise avec les enfants, le boulot, la maison et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. En rentrant du boulot aujourd'hui, je me suis arrêtée chez le gars de la SGBC dont je vous avais parlé dans mon vlog Max où je vous annonce mon retour sur YouTube. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Allez la voir, s'il vous plaît. Et j'ai encore trouvé de jolis trucs pour Enzo. Je vais vous mettre ça là. Je vais vous mettre les images là. Je suis trop contente d'avoir pu trouver une petite ribande comme ça parce que j'en voulais.
celle qu'il avait là était déjà trop petite pour son pied. Et je voulais une autre parce que j'adore ses chaussures. Mon père en portait. Ça me rappelle mon papa parce que je voyais souvent mon papa porter ce genre de chaussures et j'aime trop en fait. Et j'aime trop voir les petits garçons avec cela. Donc quand j'ai revu une pointure comme une chaussure comme ça à sa pointure actuelle, je n'ai pas hésité à la prendre. Le gars, il m'a laissé ça à 4 500. C'est la friperie, c'est seconde main. Mais le gars, ouf, il a des premiers choix. Ouh là là, j'adore. Je sais pas, je le trouve pas hyper cher parce que en boutique tu vas trouver ça à un prix plus élevé, ça c'est sûr. Mais chez lui, j'ai eu ça à 4 500. Je trouve que le prix est abordable. Et je lui ai aussi pris une petite babouche Reef, sauf que elle est grande. Elle est encore un peu grande pour lui. Ça m'énerve un peu parce que je voulais qu'il ait une petite chose, une petite babouche pour traîner à la maison. Parce que là maintenant, ce qui traîne à la maison avec, ou bien ce qu'il joue avec dehors, ce sont les crocs. Et si vous connaissez pas les crocs, je vais aussi vous mettre ça là. J'aime bien les crocs pour les enfants, mais je voulais une petite babouche du même style que celle que j'ai achetée aujourd'hui. Bon, je vais continuer à chercher encore. J'ai dit au gars que je vais repasser dans les prochains jours pour voir. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est ici que va se terminer ce vlog. J'espère pouvoir être super productive cette semaine pour vous offrir encore du contenu. Je remercie toutes celles qui se sont abonnées là récemment sur ma chaîne et merci d'apprécier les vlogs. Merci de m'encourager. Je ne sais pas si vous savez ou je ne sais pas si je vous ai annoncé ça officiellement ici sur YouTube parce que j'avais crié ça sur Instagram et sur Facebook. Aïe! Parce que ça avait un goût là. J'avais crié ça sur Instagram et sur Facebook que nous sommes déjà à 1 000. Nous sommes même en ce moment même, nous sommes déjà à plus de 1 000 abonnés sur ma chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire à part un grand merci pour les partages, pour les likes, pour je ne sais pas, pour tout l'amour, les conseils et tout. Franchement, merci beaucoup. Je vous dis merci. Merci de regarder mon quotidien. C'est vrai, il n'est pas parfait, mon quotidien. C'est parfois la routine, hein. Mais je tiens vraiment à être vrai avec vous et ne pas vous montrer une personnalité inventée, quoi. Je veux être la Prisca. Je veux être avec vous la Prisca que tout le monde connaît, en fait. Je ne veux pas encore vous montrer la Prisca dans ces dégagements hyper dégagés. Vous m'avez déjà vu dans un petit excès de colère une fois, mais ça, je vous assure que c'était rien. C'était rien par rapport à la Prisca qui est vraiment, vraiment énervée. Mais comme je vous dis, j'essaye d'être le plus vrai avec vous et vous me rendez bien cet amour en m'encourageant. Le simple fait de liker. Le simple fait de commenter, le simple fait de partager en quelques clics, ça ne vous prend qu'une seule seconde. Ça me booste à un niveau, ça m'encourage à continuer et à savoir que le travail que je fais n'est pas vain. Le travail que je me fais n'est pas vain. Donc, merci encore mes beautés. N'hésitez pas de me rejoindre sur Instagram. Je vais reprendre à être hyper connectée là-bas après cette petite pause qui m'a aussi fait du bien. Qui m'a aussi fait du bien. Je vais repartir sur de nouvelles bases. Voilà tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé ce weekly vlog jusqu'à la fin. J'ai constaté que vous aimez les weekly vlogs. Et quelque part, c'est vrai que c'est beaucoup de travail au niveau du montage, mais quelque part, j'adore faire ça. J'adore faire ça. Donc, je vous en ferai, bien sûr, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.